Bon, j'ai vu qu'il y a une autre porte juste à côté. Ouais, juste là. Squelette, squelette, zombie. Et il y avait des pièges, mais c'est pas grave. Voilà, parfait. Parfait, lien, parfait. Une agate, des agates de feu même. Un peu d'or. Bon, au moins l'or, ça me servira. C'est une clé, ça, ou... Non, c'est juste le tapis. J'ai cru qu'il y avait une clé sur le sol. J'ai pas perdu trop de vie, je peux enchaîner. Il y a une autre porte, je l'ai vue. Qui est là-bas. Non mais les... Oh non mais putain. Putain, non. Non, non, et non, et non, et non. Putain. Échec 99. Je peux pas aller plus loin. Oh putain, et quelle garde, tu m'emmerdes. Franchement, je te le dis, tu m'emmerdes. Voilà. Et voilà, et maintenant on fait comment? D'ailleurs, un mécanisme. Mécanisme que j'ai pas vu. Ce serait quand même bizarre. Un mécanisme pour ouvrir les portes. Ah bah non, il y a une porte juste là. Bah voyons. Eh bah tiens. Un autre. Oula. Oula. Oulala. Oulala. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne m'enchante pas. Du tout. Ah, oh, de la matière première toute fraîche. Ben voyons. 1, 2, 3, 4. Cool. Mes enfants, leurs cadavres viendront grossir nos rangs. J'avais pas vu. Zombie. Oh non. Oh non. Faut que j'attaque le prêtre. C'est lui qui est le plus important. Ouais, et puis il est mortel. Ça sert à rien ce que je fais, n'est-ce pas? Ouais. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ouais, ok. Alors, non, dégage. Faut que j'attaque le prêtre en premier. Les ghouls, c'est impossible. Je ne peux pas attaquer les ghouls. Et les zombies. Enfin, vous m'avez compris. Donc je vais réactiver le... Au moins j'ai retrouvé le commandant. Oui. Ah non, au secours. Excusez-moi. Faut que je mette... Ouais. Je me charge de lui. Suivez-moi. Je vais m'en charger. Bien sûr, je peux faire ça. Voilà. Voilà. Un problème de réglé. Maintenant, les ghouls, les enfants. Les ghouls, les enfants, les ghouls. Les ghouls, les ghouls. Les ghouls. Voilà, c'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien, les gars. On joue bien, là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je peux le faire. C'est bon. Putain, mais il est trop fort. Mais vous êtes trop fort, putain. Bon alors là par contre j'ai droppé des trucs hein. Un bandeau d'intelligence. Toujours utile. Je suis vraiment trop fort. Un écu plus 1, c'est un bouclier, n'est-ce pas? Yep. On va donner ça à lui. Et puis j'ai vu qu'il y avait d'autres trucs.
Bon, qu'est-ce qu'il y a de... Ah, ça m'intéresse. Ah bah voilà, un bruit de métal qui sort sur une pierre. Parfait. Bonjour. Vous allez bien? Alors... Ouais. Ah. Ouch. Ok. Ah, d'accord. Ok. Très bien. Ok. Est-ce qu'il était seul? Une sorte d'ombre. Ok. 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 Combien ils étaient? Très très bien. Eh ben, c'est une très bonne nouvelle. Oh, il m'accompagne! Trop bien, bah, je vais le commander avec moi. Morceau de parchemin, voyons voir. À la limite du marais, le site a été peu fréquenté pendant des décennies, seulement sillonné par les patrouilles de la garnison voisine. Il y a assez de matériaux pour entretenir une petite armée. Ah, voilà qui va servir nos objectifs. Force de taureau et grâce féline, je prends tout. J'ai activé le levier, je vais donc mettre. Alors, il y a sur moi-même, pour commencer, c'est passé, et sur. Pas toi. Et sur. Kelgar. C'est passé. Alors, voyons voir, je check vite fait le. Comment. Ah, je peux pas. Suivez-moi, Non, je tous! peux pas le voir, Oui. ok. Eh ben, je vais sortir de cette crypte et puis je vais m'arrêter là pour cette session. Alors attendez, parce qu'il y a deux portes qui sont ouvertes normalement. Il y a celle-là et il y a celle-là. On va commencer par celle là-bas parce que je suppose hein, qu'il y a une porte tout au fond. Non, reviens là, reviens là. Alors que vous voyez des trucs, oui, excusez-moi, ça arrive, des eaux, vous voyez des choses. Non, il y a juste un... Ah bah non, il y a une porte. Oui, c'est ce que je me disais. Et dedans, qu'est-ce Ça qu'on a? durera Des pas. zombies! On va enfin se marrer. Comme le disait Quelqu'un Radiohead. C'est faux. Que quelqu'un me protège. Mais d'où il a contracté la maladie, lui? Que quelqu'un me protège. Mais d'où? Ah, j'ai trouvé quelqu'un. Ah. Bon. 1 sur 3. Ce qui est toujours ça de prix. Ah, la maladie. Ah, mais la maladie maintenant elle peut partir. Ah, mais c'est mon jet de vigueur. Je vais tenter de pas utiliser de trousse de soins maintenant. Ça va être un petit peu tendu. Donc là, j'ai trouvé un de ces hommes. Je suppose que les autres sont de ce côté-là. J'espère. Ok, c'est parti. Pas d'ennemis par là. Une porte au fond. Et squelette. Et j'ai activé un piège. J'ai acquis un piège alors qu'il a fait n'importe quoi. Hein. Je suis empoisonné. Je suis au bout de ma vie. Ah, c'est bon. Et j'ai contre. Non, dextérité. C'est qui a contre. Ouais, bah voilà, malade. Oui. Bah oui, bah oui, bah bien sûr. Ah bah là oui. Ah bah oui. Oh bah oui. Bah oui, bah oui. Bon alors non, en fait. Non, non. Écoutez, non. Ça va pas le faire. On va y aller en douceur. On va y aller et en douceur. Et avec Je peux elle. t'aider? Oui, tu vas avancer en douceur. Il y a un piège qui est par là.
Voilà. Hop. Allez. Voilà. Parfait. Hop, on n'est pas empoisonné, personne n'est empoisonné. Ça ne durera pas. J'en aurais terminé en un quart d'heure. Bon, pas grave, quel gars, c'est pas grave. On est à 4 contre des zombies. C'est bon, ça va le faire. Bah oui, mais même lui, putain. Oh, j'en ai marre. J'espère que leurs jets de vigueur sont forts. 3 portes. Les ennemis sont proches, ils doivent être juste derrière. C'est la sortie? Je suppose que c'est une sortie. Bon bah par là du coup. Mais évidemment. Il y a une porte par là. Il y a un piège par là. Il y a un piège quelque part. Ah oh bah alors là oui, alors là il y a du piège. Hein. Faire un demi-tour par contre. Non, Nisika, putain. Oui. Toi tu dégages. J'ai dit que tu dégages. Oh la vache, alors elle, elle va me... Il y a des trucs qui m'énervent. Alors ça m'énerve aussi pas mal. Faut que je trouve comment gérer les comportements au niveau de l'attaque. Des personnages parce que ça commence à m'énerver. Il y a une porte par là, oui. J'avais deviné. Putain, faut que j'aille loin pour essayer de me reposer. Voilà. Allez. Moi j'y crois. Ils vont mourir. Ils vont tellement mourir. Là, vous voyez, dans 15 secondes, ils vont mourir. Ah, il y en a un qui a battu la maladie. Allez. Parfait. Maintenant, c'est juste histoire qu'ils enlèvent leur malus. Oui. Bon. Bon, ça encore, c'est pas trop grave. Mais vous me refaites pas un coup pareil, les gars. Les zombies et la maladie, j'ai assaisonné. Bon, donc alors, on a dit qu'il y avait des monstres ici. Un squelette. Un squelette. Un zombie. Ouais, 2 zombies même. Alors là, c'est parfait. Je rêve ou il y en a 2 qui m'a... Il y en a un que je vais frapper en fait. Ça, on a de la place pour attaquer avec 4 et personne n'attaque, les gars. Vous foutez pas de moi. Ah merde, Garrett. Merde, frère. Ah merde. Merde, ah oui, alors c'est con. Ah bah oui, c'était en train de manger sûrement. Ah bah là par contre je peux me reposer alors qu'il y a des ennemis qui sont juste à côté. Non, merde. Alors ensuite. Là-bas. Qu'est-ce que c'est là-bas? Soldat disparu. Bon, au moins c'est clair. Par contre, hein, je me fais pas avoir. Je peux t'aider ? Oui, c'est Nisika qui va y aller en premier. Pour détecter les pièges.
y a un piège. Hop. On va y aller. C'est bon. En douceur. C'est fait. En douceur. Commandant, oui. Non. Nous avons trouvé tous les hommes. Eh ben, nous pouvons partir et suivre cet homme-là. Bon, et là, il a disparu, hein, vous en faites pas. Donc, normalement, si je vais par là, je ressors. Normalement, c'est ça. Oui. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je suis un génie? Je suis un génie. Ouais. Alors, du coup, ouais, j'étais passé par là. Et je suis ressorti de ce côté. Par contre, du coup, il y a quoi là-bas? Ah, ah, grande question. Est-ce que j'ai le temps pour l'explorer? Oui, j'ai le temps. Écoutez, il se fait un petit peu tard ici, mais c'est pas grave. On va regarder. On va regarder, puis on verra bien. Ça se trouve, je vais me faire fumer. Mais je profite d'être à 4. Oula. Oula là. Oula là. Et c'est la bagarre. C'est la bagarre. Oula. La caméra, merci. Il y a une porte, très bien. Ok, tout va bien. Ah, il y a des portes partout. Ah là là, il y a des portes partout. On va aller à gauche. Il y a un piège. Oh là là, il y a des pièges. Miam, miam, miam. C'est bon. Ok, elle a vu un ennemi. Et ouais. Bon, s'il n'y a que des squelettes, ça va. Ou alors, je vais peut-être aller faire un tour en ville. Je pense que ça va être une bonne chose à faire. Ouais, au final. Ah merde, mais t'es juste... ok. J'arrive pas à me viser. Voilà. Voilà. Et il résiste beaucoup trop ces squelettes là. Ok. Impossible de se reposer ici. Je me demande bien pourquoi. Sûr, je peux faire ça. 30. Ah ouais, elle peut essayer. Oui. Vas-y, essaye, hein. Oh là là, trop forte. Trop forte, 400 pièces. Oui. Je peux pas me reposer. Non, impossible de se reposer ici. Bon, bah, on ressort, hein. C'est où que je ressors déjà? C'est où que j'étais? La map, s'il te plaît. Non. C'est je viens de là-bas, ouais. Donc je vais sortir, je vais me reposer, puis je vais revenir. Slav Squat, voilà.
Mais moi où j'en suis, ah, j'avance bien. On avance bien, tout doucement. Je sais pas du tout à l'heure actuelle comment je vais couper les épisodes. Ça me stresse un peu. Bon. Gauche c'est fait. On va aller à droite. Il y a un piège quelque part, je le savais, je l'ai vu. Non, putain. Mais je le... Elle m'énerve. Cette chose repousse mes attaques. Restez tous où vous êtes. Attends, je me souviens pourquoi dans le premier jeu, je faisais tout seul. Oh non, alors non. Ah, bougez-vous. Bougez-vous tous, il y en a un qui est malade, je fais rien du tout. C'est bon. Bon, alors. Les sarcophages. 30, mais... Ouais. Oh. Mais arrêtez de tout casser, bande de gommes mongoles. Je peux le faire. C'est fait. Putain, mais ils sont qui? Mais quelle bande de mongols? Marteau léger. Oui. Alors attends. Ah. Bon, outil évidemment, objet brisé. Putain. Ils sont cons. Objet brisé. Bah évidemment, bande de sacs. Marteau léger, qu'est-ce que c'est? Plus un tempête. Oh. Électricité en D4. Oh, joli. Bon, vous êtes des abrutis, les gars. C'était quelque chose de que je savais déjà, mais alors maintenant, j'en suis sûr et certain. Bien, cette porte-là. Une grande... C'est clairement un piège, hein. C'est très clairement un piège. C'est très très très... C'est... Oh, je le savais, putain, évidemment. Évidemment. Oh, je l'ai vu. Tellement fort. Alors là, par contre, c'est impossible que je gagne. Je vous le dis, c'est impossible. Je m'en sortirais vraiment pas du tout indemne. Oh là là, oh là là, il fait n'importe quoi, il fait n'importe quoi, il fait n'importe quoi, et il est bloqué, et il est con. Il est con, voilà. Impossible que je m'en sorte, impossible. Pourquoi il est en mode nuit? Bon. Il se déroule, hein. Je leur fais confiance. Je sais pas comment j'ai fait pour survivre. C'est un miracle. Ce qui se passe, c'est un miracle. C'est un... Oh, il en reste un. Évidemment... Putain, quasiment tout le monde est malade. Mais bon, tout va bien. What? Un levier? What the fuck? Hein? Hein? Quoi? Il servit à rien ton putain de levier. Le premier qui le frappe, je lui démonte sa mère. Ok?
Parchemin. Ok. Et j'ai fait tout ça pour un parchemin, donc. Parchemin de animation des morts. Alors ça, tu vois, c'est très très bien. Si j'étais magicien. Eh bien, écoutez, je pense que c'est tout bon. Je pense qu'on a visité toutes les cryptes. On en a terminé avec cette zone. On en a terminé, ouais, avec la zone là. Avant de se quitter, par contre, je vais aller me soigner. Urgemment. Mais vraiment urgemment. Donc, on va partir pour commencer. On va retourner à Pour Nuit. Afin d'aller voir frère Mirlo. Putain, j'ai oublié son prénom. Je suis désolé. J'oublie les prénoms. Il commence à se faire un peu trop tard. Lieutenant. Ah bah d'accord. Content de voir. Ah d'accord. Patient lieutenant, j'ai rejoint. Je vous relève de vos fonctions. Quoi ? Alors là, on va avoir un problème là. D'accord. Diplomatie, putain de merde. Évidemment, je suis mad. J'ai plus de vie. Mais j'ai pu. Et voilà ce qui se passe. Bon, alors écoutez. Tac, tac, non. On va dire qu'il s'est rien passé. On va dire qu'on sait pas ce qui s'est passé. On va dire qu'on sait rien. Voilà. On va reprendre là. Et vous allez voir, ça va aller vite. On va utiliser une technique incroyable. Qui s'appelle cours. Et active le levier. Levier. Voilà. Et là, vous voyez, il n'y a plus personne. Levier. Le levier qui sert. Le levier, il a juste servi à rien, en fait. Voilà. Hop. Hop. On prend ça et on se barre. Ça va être aussi rapide que ça. Tout le monde est malade et elle est morte. Bon. Bon, et ben qu'est-ce qu'on va. Et ben on va quand même retenter. On retente, mais cette fois on va pas récupérer les objets, c'est mort. On va pas récupérer les objets. C'est pas grave. C'est pas grave. Et bah du coup, écoutez, moi je me soigne là. Et puis je vais m'arrêter ici pour cette grosse session. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'espère que pour la suite ça va bien se passer parce que le jeu commence à être assez dur. Enfin, commence, il est quand même déjà dur, mais là il est relevé. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ces vidéos jusqu'au bout. J'espère que ça vous ait plu. Comme d'habitude, tout ce qui est like, commentaire, si vous avez des tips ou si vous avez vos propres expériences sur le jeu pour les partager. Vous abonnez à la chaîne pour ne pas rater les sorties des vidéos qui sortent les mercredis à 15h30 et me suivre sur Twitter et Instagram où je suis le plus présent. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Never Winter Nights 2 en compagnie de tous nos personnages. À la prochaine, salut.